Salut les amis, comment ça va? Précédemment, j'ai ajouté l'étude de la migration actif et reste actif install à notre application bloc. Vous pouvez suivre lorsqu'on l'ajoute, il y a tout sortes de trucs qui s'appliquent avec qui sont intégrés à l'application. Vous avez reste, il y a Tibo Links. Au niveau de l'application test, au niveau de l'asset, nous avons style sheet, parce que le CSS de action texte, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Je ferme tout ceci, je l'ai déjà fait auparavant. Une vidéo, mais elle était bousillée. J'ai installé la GM Simple Form, et la nouvelle GM que j'ai installée récemment, c'est la GM Simple Form et la Tips et. Action Text. Pour commencer, nous allons au niveau du device, la partie session. J'ai mis du bootstrap, ceci c'est ça qui donne ça, le bootstrap. Là on peut se connecter, vous pouvez regarder les tests et copier ça. Ça passe au niveau de signal. J'ai mis aussi du bootstrap, copier, c'est ça qui donne ça. Donc le username on avait déjà ajouté auparavant, donc on va essayer de se connecter. Je me connecte avec Bouliac, mais Bouliac je mets 1 2 3 4 5 6. Je suis connecté. Une fois qu'on sait qu'est ce que nous allons faire, je ferme ceci, je ferme ceci, je viens du layout et d'elle. Une fois connecté, étant donné qu'on avait ajouté le username dans la table de device, on va faire que lorsque l'utilisateur est connecté, cette partie, le nom de l'utilisateur va se connecter, doit s'afficher en haut. Lorsqu'il clique, ça va lui conduire à une page de profil. Une page de profil bien faite. Pour faire cela, c'est simple. J'ai ajouté un lien qui dit link current username profil paf. Pour faire le profil page, c'est d'abord créer le contrôleur user. Dans le contrôleur user, mis user contrôleur. Before authentication, j'ai mis la page profil, le verbe profil. Dans le profil, nous allons voir l'utilisateur. Le profil sera affiché lorsque l'utilisateur, lorsqu'il y a l'utilisateur un username. Lorsqu'il n'a pas d'username, il ne va pas s'afficher. Et la condition de cette pause, on a été mis, et bon, ça c'est la configuration par défaut de device. User find by username. Lorsque le contrôleur user, nous venons ici, j'ai créé le dossier user, le profil, la page profil, passer par profil qui est évolué à ce verbe là, profil. Donc j'ai la page profil, j'ai intégré ceci. Mais bien avant ça, il y a aussi le root. Je vais créer le root. J'ai mis get@username. Le get username to root profil path. Sur cette page profil, il y a ceci, nous avons le username de la personne, Jonathan Sullivan. C'est ceci, Jonathan Sullivan. Ici nous avons, c'est une description qu'on va ajouter après, mais ici nous avons la partie about session. Ici cette partie sera le dernier bloc qu'il a publié, et ceci sera ses blocs, ses anciens blocs et que l'utilisateur publie. Donc n'oubliez pas, il faut d'abord créer la route, une route ce que j'ai appelé get username. On crée la route, on vient au niveau d'ici, on crée le profil, on crée le dossier profil, le dossier user, la page profil HTML. Après il y a le contrôleur user, un texte ceci. Lorsque l'utilisateur sur sa page, mais il faut éditer. Donc pour éditer cela, il faut aller dans l'edit registration pack. Jonathan et edit Jonathan username. Ou bien au niveau du device, je prends registration edit. Registration edit. Bon, ici il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai mis le container. J'ai mis toute cette page, et là,
Ah, vous copiez ceci dans la une. Les choses que j'ai mis en commentaire, on va les ajouter plus tard lorsque je vais ajouter l'avatar. L'avatar utilisateur. Lorsque on ajoute l'avatar utilisateur, une fois ici, 1,456. Une fois sur le profil, excusez-moi. Une fois sur le profil, l'avatar va s'afficher. Cette image, on va voir l'avatar. Donc moi, l'avatar, j'ai mis le username, le email. Mais pour ajouter tout ceci, il y a un contrôleur qu'on appelle, je peux garder ce côté pas défaut. Cette ligne là, c'est la configuration pas défaut des device. Donc il y a la profile forms, Foreign Sky, toutes ces lignes là. Vous voulez jusqu'ici. Il y a une question qui dit device paramètres scientist permis. Seigneur, pour se connecter l'utilisateur, vous tapez le username. Je ferme la porte, vous allez voir. Si vous se connectez première fois, là le username, ce qui est ici, l'email. Après l'email, nous avons le password et le password confirmation. Ce qui fait le password, un truc de 6 caractères, le password confirmation. Maintenant, le login. Le login, le password confirmation, oui. Il y a un moment dans le login, il devait avoir le email. Login, ça c'est pas le souci. Maintenant, lorsqu'il est connecté, 1,456. Lorsqu'il est connecté, s'il vient situer à la page de profil de Nathan Sullivan, il clique ici. Et bien sûr la page edit, on va profiter mettre edit de Nathan Sullivan. Je copie ceci, copie, je viens d'enregistrer son edit, je fais ceci. Petit de Jonathan Sullivan, parce que les années, donc je disais dans le contrôleur, application contrôleur, parce que par le account update, c'est encore sur la page edit page, ou bien cette page là, dimanche cette page là, edit user Sullivan, s'il vient il tape ceci, ici vient. Les seules choses à modifier sont le username. Moi j'ai pas utilisé le first name, le last name, pas de bio pour le moment. Donc, il a mis de modifier son username, son email, son password confirmation, son current password. Raison pour laquelle lorsque vous venez sur la page edit, lorsque vous modifiez ce que vous voulez, bon. Je peux mettre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Je tape le 40 password 1,2,3,4,5,6. Automatiquement le nom change, il devient Abraham Lincoln. Le nom s'affiche en grand caractère. Là, si vous cliquez sur la page edit, il n'y a pas encore le bac. Vous cliquez sur la page edit, vous pouvez avoir le nom edit, vous allez avoir le nom. Mais moi, je suis content de mettre Jonathan sur le bas. Ou bien, je mets avoir le nom. C'est un président que j'aime bien. Voilà. Mais c'est tout ce qui est peut faire, c'est tout ce qu'on a fait. Maintenant ici, vous voyez comment les templates, les blocs s'affichent une fois publiés. Avec le temps, je verrai si on peut utiliser cette méthode pour les blocs. Ah, les blocs vont s'afficher avec un léger retard. Pourquoi ne pas en faire directement. Ou bien celle-là n'est pas mal.
Bon, cela dit, notamment les commentaires, et il va essayer d'inspecter la page. Je fais copie de l'event. Au niveau de, je ferme cette page, je ferme ceci, non? Je ferme device, je viens du layout, comme ceci, session, comme le session, et session est internet, pourquoi pas ceci. Voilà, et j'essaie d'actualiser la page pour voir ce que ça va donner. Au nom de Dieu. Non, c'est trop vilain. Donc c'est tout ce qu'on a fait pour notre prochain chapitre. On a vu la sign out, le new block, on a le temps de modifier. On peut profiter de modifier le new block directement. Je ferme ceci, pas je ferme. On a la façon d'éditer pour modifier le new block. Le new block, comme au niveau de là, je ferme ceci, je prends le device, session login, je fais ceci, je fais copy, je fais le blog, CTRL V, et ouais, il y a du décalage. Je mets ça en H2. Maintenant il faut modifier. Je mets le forme groupe comme 6. Je mets le forme. Et là. Je comprends. Ceci, ce qu'on regarde là, et là qu'est-ce qu'il faut, je vais prendre le poste. Je vais voir comment j'ai des pages ici, propriété. Ouais, class control, on va ajouter la partie class control, direct.
CTRL V. Okay. CTRL V. Bon, le submit. Il tombe BTN success. Je peux copier ici. CTRL V. Et ici je mets un groupe. Ça charge pas. Allons. Et j'ai fait une erreur. Comme groupe, ok. Il y a un problème qui crache là. Je fais copie, yes. Je ne vais pas trop me casser la tête pour encore corriger. C'est le poste. Ou carrément il y a un poste. Et là, ça doit marcher. Ok. Poste. Du coup, et si pour modifier un poste, tu peux faire ta guise, show back. Maintenant au niveau du poste, au niveau du show, pourquoi il y a deux edit, ENS, pourquoi il y a deux fois edit, view path. Ça je vois rien, ça mettre en commentaire, je vais attendre lorsque tu fais, tu es sur la page, il y a pas de problème, ça aussi je mets en commentaire. Jusqu'ici tout va bien. Je fais le retour. Le niveau du chopage. Le niveau du chopage. Je pensais à supprimer ceci. Ouais, pas mal. Je veux que tu vois comment aligner et aligner le. Les postes de manière à avoir de l'espace de cette manière là, comme à l'habitude, comme je viens de le monter dans le profil, cette manière là. Bon, c'est tout ce que nous avons un peu pour aujourd'hui. Nous avons édité le profil. Vous avez acheté lorsque vous laissez la page, quand il y a un lien qui dit que @abraham pourcentage Nicole. Le pourcentage vient pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'espace entre Abraham et Nicole. Si vous n'êtes pas si tu vous montres Abraham et Nicole, il y a de l'espace, donc pour ne plus avoir le dièse, pourcentage dièse, je fais l'espace, je mets 1, 2, 3 façon ici, je tape, on se retire, on entend du local host toujours. Oui, ça va. Je dirige vers la page. Un bras m'a collé. Il n'y a plus d'espace. Mais c'est vulgaire. Le user le map, c'est un ensemble de noms et pronoms.
Donc, éditer la page. Je mets de l'espace. Toujours, vous voyez pas d'espace. Là, je mets de l'espace. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chers amis, c'est tout ce qu'il y a pour jeudi. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et bon, nous sommes le 15 février. C'est l'anniversaire de ma mère. Très anniversaire à maman. Je vous souhaite bon week-end et à plus dans une autre vidéo. Peace.